Comme chaque année, ce mercredi est réservé, consacré à la prévention des risques naturels majeurs. C'est très important. Pourquoi? D'abord, on voit l'émergence de nouveaux risques en ce moment. On a la lutte contre le changement climatique. On sait que d'ici 2100, on pourrait avoir entre 100 et 200 millions de réfugiés climatiques. On sait aussi que ces risques traversent les frontières. On a eu le tsunami, on a eu les ouragans, on a eu les tempêtes, on a eu les inondations. Et enfin, ce risque, il est aussi tout près de chez nous. On sait par exemple qu'en France, on a des zones sismiques. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous, de toutes les manières. Cette journée, elle est là pour qu'on en parle et pour qu'on travaille ensemble sur la prévention. Notre priorité, c'est d'éduquer, de faire comprendre, de faire connaître. Pourquoi faire comprendre et faire connaître? Pour mieux anticiper et pour améliorer ce qu'on appelle notre résilience, c'est-à-dire notre capacité justement à anticiper le risque. Le développement durable, c'est un concept un peu global qui permet de faire le lien entre tous les enjeux finalement en matière d'écologie, en matière de social, en matière d'économie, de les mettre en perspective. La mise en sécurité des personnes et des biens, la mise en sécurité dans l'instant, mais aussi donner de la sécurité dans le temps, c'est naturellement au cœur du concept de développement durable. Savoir à quoi on est confronté, savoir à quoi on sera confronté ou on risque d'être confronté, apprendre à le gérer, c'est se donner des chances pour aujourd'hui et pour demain. Depuis 2004, on a mis en place, en lien avec le ministère de l'Éducation nationale, l'éducation à l'environnement. Donc ça monte progressivement en puissance. Depuis la charte de l'environnement, c'est d'ailleurs inscrit dans la Constitution. Concrètement, ce n'est pas une nouvelle matière en soi, c'est toutes les matières qui sont invitées à consacrer du temps à l'environnement. Ça peut être dans le cours de géographie, ça peut être dans le cours de biologie, ça peut être dans le cours de physique, ça peut être dans le cours d'éducation civique. Toutes les matières doivent donner une place à l'environnement. Bon, et puis par ailleurs, nous mettons à disposition des enseignants pour qu'ils puissent, si vous voulez, faire ça de façon efficace, un certain nombre de matériaux pédagogiques. En matière de risques naturels majeurs, ces matériaux pédagogiques sont disponibles sur le site www.prim.net. Et on peut à la fois les regarder, mais surtout les télécharger pour servir de support à des enseignements. Pour cette année, nous privilégions le niveau collège. Donc, pour tous les collèges, il y a la possibilité de disposer, à titre gracieux, et d'ailleurs on le remercie, du film d'Al Gore, Une vérité qui dérange. Il y a aussi la traduction en français d'un jeu qui a été développé par l'ONU qui s'appelle Stop Disaster. Et puis, il y a un travail qui a été fait par l'IUFM de Clermont-Ferrand et avec l'Institut français de formation des risques majeurs et l'association Maïf Prévention. Ça a été fait, si vous voulez, au niveau départemental et on voudrait qu'il puisse être adapté à chaque département. Il y a plusieurs autres projets en cours. Il y a d'abord l'exposition, qui est une très belle exposition sur les séismes, qui est inaugurée ce mercredi par Jean-Louis Borloo, c'est au Palais de la Découverte. Il y a aussi un livre, je vais le montrer, préfaçon. La Terre face aux risques majeurs, qui est un travail qui a été fait par un chercheur qui est disponible au Reader's Digest. Et celui-là, d'ailleurs, nous pouvons le mettre à disposition gratuitement pour les enseignants qui en feraient la demande pour pouvoir servir de support à un cours. Et puis nous avons aussi un jeu, alors qui s'appelle Catastop. Ça permet de se familiariser avec tout ce qui est prévention des risques. Oh là là, je perds les cartes. Voilà, je voudrais vous le montrer quand même. Tout ce qui est prévention des risques, là aussi, c'est une façon de jouer en apprenant. D'abord, ce mercredi situe en même temps dans la semaine de la sécurité civile et aussi dans la semaine de la science. Et ce n'est pas par hasard. Et on demande à cette occasion au préfet de se rapprocher des directeurs d'établissement, des principaux de collège, pour parler sécurité civile. Peut-être que c'est l'occasion aussi pour les principaux de collège de faire comprendre, de faire savoir aux parents qu'il y a des dispositions qui sont prévues en cas de risque naturel majeur, en cas de séisme, en cas de problème, pour que les enfants soient mis en sécurité, de telle sorte qu'on évite que dans ce cas-là, les parents aillent tous chercher leurs enfants à l'école, ce qui est plutôt évidemment un facteur de panique et un facteur de risque augmenté. En matière de risque naturel, on ne peut pas empêcher qu'il y ait du risque. Ce qu'on peut, c'est prévenir. C'est la première chose à faire cette journée, c'est pour ça qu'elle est très importante. Je remercie d'ailleurs
tous les services de l'État, tous les enseignants, toutes les associations qui sont beaucoup mobilisées, qui se mobilisent beaucoup pour la rendre utile et efficace comme elle l'est. Et je souhaite que cette année encore, cette journée, nous aide à progresser dans une meilleure prévention des risques majeurs.